le syndicat de l'eau du Morbihan où je travaille. Donc c'est une structure qui est organisatrice du service public d'eau potable, donc sur les aspects production et transport. Et à la carte également, on exerce la compétence distribution jusqu'à l'abonné. Donc mes différentes missions, c'est la partie gestion de la ressource, que ce soit avec les différents ouvrages de production eau souterraine, haute surface, les interconnexions, mais également les relations avec les exploitants de nos usines et nos installations de production. Et on exerce également la maîtrise d'ouvrage des installations, c'est-à-dire de la partie conception jusqu'à leur exploitation. Tous les travaux, les études, etc., qui sont en rapport avec ces ouvrages. Alors dans notre secteur, dans le Morbihan, et comme dans beaucoup de secteurs dans le massif armoricain, on est alimenté essentiellement en eau de surface, donc à 80% environ. Donc en fait, les prélèvements se font en fonction des débits disponibles et des volumes restants dans les retenues. Donc un gros volet de mon activité consiste à la gestion et l'optimisation des ressources en eau qui alimentent notre réseau d'interconnexion. De formation, je suis géologue, hein, j'ai fait ma licence et maîtrise de sciences de la Terre à Rennes et j'ai fait un DESS, l'Université d'Orsay, sur pollution chimique et environnement. Alors, les qualités requises pour ce métier sont de s'intéresser à d'autres activités et d'autres compétences que l'hydrogéologie et la géologie, notamment les aspects milieu naturel, pollution, agriculture, etc. Et surtout les aspects juridiques, notamment pour monter les dossiers de demande d'autorisation. Donc, être hydrogéologue agréé, donc on est agréé par le ministère de la Santé en matière d'hygiène publique. Donc on intervient sur demande des agences régionales de santé sur certains dossiers spécifiques. Et bien, si j'étais une goutte d'eau, je ne serais pas dans une nappe probablement, mais plutôt dans une rivière. On a des magnifiques cours d'eau en Bretagne, donc du coup c'est quand même sympa de se promener au bord des rivières.